بخير. أبشركم مبروكة في هذا 10 أواخر من رمضان. جد سعداء بالتواجد ديالكم معنا في هذا اللقاء الثالث من رمضانيات بوك كلوب لو ماتان. وكما كنقولوا المناسبة شرط في هذه الأجواء الرمضانية. الموضوع ديالنا اليوم كان واحد الموضوع اللي عنده علاقة بالتصوف بلا سبيريتواليتي مع نوتخ انفيتي لالا ياسمينة الصباحي. كما شفتوا كترافقنا في هذا اللقاء هذا مجموعة ديال المديحين اللي ان شاء الله غادي نعاودوا نشوفوهم من بعد اللقاء الثقافي. وكنتمنوا من الله انه هذا اللقاء هذا نكونوا فيه كاملين يعني واحد الحضور واحد الارتفاع في هذا الجو الرمضاني. الوغ ما نطولش عليكم نعطي الكلمة للسي محمد الهيثمي رئيس المدير العام لمجموعة لو ماتان الكلمة ديال التقديمية. شكرا. شكرا سي علي. علي علوي السوسي. C'est Ali, c'est le directeur administratif et financier du groupe, mais en même temps, c'est un grand amoureux de la culture. Et donc, c'est lui qui préside, qui pilote le projet des Ramadaniyats. Tout à fait. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Je vais enchaîner un peu en français, puisque le débat va avoir lieu en français. Et donc, nous voilà réunis pour la seconde fois, ici, en ce mois sacré, mais pour la troisième fois, Ramadan. Et c'est la 30e rencontre des Le Book Club. Le matin, qui donc se tient dans ce prestigieux espace du Méchoir, mythique, offert gracieusement par les autorités de la ville. Et je profite pour remercier M. Louali, M. le président de la région de Casablanca-Stats, qui nous ont permis d'utiliser ce bel espace, qu'il trouve donc ici l'expression de ma profonde reconnaissance. Sacrée femme! Sur les pas des saintes du Maroc. Tel est le titre du deuxième ouvrage du professeur Yasmina Sbahi, après celui qu'elle a écrit sur Sidi Ahmed Tijani, Voyage dans sa Zawiya aux quatre coins du monde. Yasmina Sbahi, elle est architecte, elle est professeure à l'École nationale d'architecture de Rabat, elle est professeure à l'Université euro-méditerranéenne de Fès, et c'est une chercheuse dans le domaine du soufisme et du patrimoine spirituel. J'espère que je n'ai pas trahi votre biographie. Qui mieux que Yasmina Sbahi peut exprimer l'intérêt du livre dont nous allons débattre ce soir, cette soirée? Et voilà ce qu'elle en dit elle-même en avant-propos. C'est un devoir de mémoire aussi, l'histoire des femmes qu'on ne nous raconte pas et la transmission d'un legs sacré. Plus de 99 noms sont cités, certains connus, d'autres pas. Du Sousse, au sud du Maroc, où le projet a été initié, en remontant jusqu'à Fès et en passant par Marrakech, Rabat et Chaoun. C'est aussi un hymne à l'unité nationale matérialisée par son axe spirituel du nord au sud du royaume, à travers l'histoire de la sainteté au féminin. Fin de citation. La rencontre sera modérée par notre ami et éditeur, c'est Abdelkader Tnani, dirigeant de la maison d'édition La Croisée des Chemins, président de l'Union professionnelle des éditeurs du Maroc et vice-président de la Fédération des industries culturelles et créatives. Je vais vous donner un petit scoop à propos de Sir Tnani, puisque en partenariat avec des amis de Radio Mars et des amis de Soche Presse, ils viennent de boucler un bel ouvrage sur l'épopée de l'équipe nationale qui sera très bientôt mis en vente, auquel nous sommes aussi partenaires. Et je vous invite plutôt à l'admirer, puisqu'il y a de belles photos qui rappellent l'exploit de nos lions de l'Atlas sans trop tarder. Donc je cède la parole à Sidi Abdelkader Tnani et invite la Yasmina Sbahi pour nous régaler un peu en cette soirée. Une dernière chose, s'il vous plaît, en sortant, il y a une petite exposition de Redard. Elle est faite par le Rotary Atlantique. Les produits de la vente profitera à l'enseignement primaire de Ouled Azzo, l'école de Ouled Azzo. Donc, c'est un don de charité, c'est une œuvre de charité à laquelle le matin participe, je vais dire, de manière bénévole. Voilà, et très bonne continuation. Tout d'abord, je voudrais remercier le groupe Maroc Soir, en la personne de son président. C'est Ami Mohamed, la région de nous avoir offert ce temple de la culture qui a toute une histoire depuis l'indépendance
Et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous avez un bureau qui est fermé ici, allumé 24 heures sur 24. C'est le bureau de feu Hassan II. Quand il était à Casablanca, il venait, il rentrait dans ce bureau, il travaillait. Vous pouvez le visiter, je pense. Il est fermé, mais on peut le regarder, il est juste derrière. Je voudrais tout d'abord, c'est établi, vous avez tout dit sur Yasmina Sbehi, qui est une femme exceptionnelle, de par son parcours, de par son travail de recherche. Et il faut que ceux qui sont présents ici le sachent, c'est la première femme qui a fait un travail de recherche sur les salihats, c'est-à-dire on a toujours, il y a eu des travaux qui ont été faits sur les marabouts au Maroc, mais sur les femmes waliyats, sur les salihats, c'est le premier travail qu'elle a commencé depuis plusieurs années, et ça a donné un livre magnifique en 2015 sur ce parcours étonnant, étonnant doublement. Étonnant pour le travail de recherche qui a été fait, étonnant pour les lieux qu'elle a visités. Et dans certaines régions africaines, c'est pas évident qu'une femme jeune, belle, magnifique, qui puisse aller dans des contrées lointaines. Je parle du Sub-Sahara, Sénégal, Côte d'Ivoire et autres pays africains, le Sahel, et qui a sorti un très beau livre, qui est épuisé d'ailleurs, et j'ai eu le plaisir de la rencontrer, d'avoir été le premier à avoir lu ce manuscrit, que j'ai trouvé très intéressant, parce que c'est un travail vraiment utile pour qu'on connaisse notre patrimoine, parce que nous avons un patrimoine machine de 13 siècles, comme on dit, mais de plusieurs siècles, sur cette histoire magnifique et dont nous sommes, en tant que Marocains, très fiers. Et donc je vais passer tout de suite la parole, mais avant de lui passer la parole, je vais lui poser trois petites questions rapides, comme ça tu pourras entamer tout de suite ta présentation. Alors la première question, dans votre avant-propos, vous dites que ce livre est un travail de mémoire, l'histoire de femmes qu'on ne nous raconte pas, est la transmission d'un legs sacré. Cette approche de la mémoire par le féminin, en quoi peut-elle changer les mentalités au sein du royaume ? En tant qu'architecte, vous avez aussi une perception particulière de la notion du patrimoine. En quoi votre métier, votre regard d'architecte, nourrit-il celui de celle qui a écrit « Sacré femme » ? Vous avez choisi de scinder votre ouvrage en deux grandes parties. La première sur l'action sociale de bienfaisance, la voie royale vers la sainteté, et la seconde sur votre périple sur les pas des waliyats. Pourquoi était-il important d'aborder ce livre ainsi ? Et la dernière question, vous pouvez la répondre si vous voulez. Avez-vous des futurs projets d'écriture sur la même thématique ? Et je terminerai par une petite anecdote. Parce que le livre a été terminé, et comme vous le savez, dans une maison d'édition, le titre est en dernier ressort quand on choisit le titre. Et on était vraiment, je dirais pas perturbé, mais on avait une vingtaine de titres. Et il y avait quatre femmes. Et j'étais le seul homme. Donc il y avait quatre femmes. Il y avait donc Yasmina, il y avait, je peux le citer, il y avait, qui s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, Travelsi, qui dirige la collection Kaina, et il y avait Nzag Sous et Lubna Seraj, ou Abdourbe Bouhdi. Donc la parité n'a pas été respectée. Mais au bout d'une heure et demie de discussion, très agréable, on est sorti avec ce titre. Donc voilà pourquoi ce titre, Sacré Femme. Voilà, et je passe tout de suite la parole à Yasmina, en remerciant encore le public, nombreux aujourd'hui. Merci de votre présence,
Et puis après, il y aura des questions. Ceux qui veulent poser des questions, le débat sera ouvert après. Merci encore. À toi, Yasmina. Merci, c'est Abdelkader. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, al-fatih, al-khatim, al-nasir, al-hadi. Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous voir autour des sacrées femmes ce soir. Vous comprendrez combien elles sont sacrées à voir l'écrin qu'elles se sont choisies pour se présenter à vous. Je voudrais dire merci à Sidi Abdelkader parce que sa présence pour moi compte énormément. Il a cru en mon projet, il le porte avec moi depuis une année, depuis sa sortie il y a une année. Je voudrais remercier Sidi Alaoui, je voudrais remercier Sidi Haïtami, je voudrais remercier toutes les personnes qui me soutiennent dans mon périple depuis 25 ans. Alors, le devoir de mémoire, oui. Vous verrez que Sidi Abdelkader a décidé de intituler cet ouvrage « Témoignage ». En fait, c'est toi le professionnel. Donc, c'est un témoignage à chaque étape de mon périple. Je me sens le devoir de raconter. Le premier ouvrage sur les pas de Sidi Ahmed Tijani était sorti en 2015. C'était aussi un devoir de mémoire. Cet ouvrage m'a donné une forme de, je dirais, de légitimité pour communiquer autour d'un cheminement spirituel et géographique à la fois. Mais pour revenir sur les pas des saintes, ces pas s'inscrivent dans la continuité du premier ouvrage. Mon parcours m'a mené vers le Sousse et vous m'excuserez si je pars d'une histoire intime, puisque la spiritualité relève de l'intime, avant d'exposer ce que j'appellerais des valeurs universelles. Mon parcours spirituel, personnel, m'a mené vers le Sousse. Et dans le Sousse, on m'a fait découvrir des écoles traditionnelles qu'on appelle le Madaris al-Atiqa. Et pour la plupart d'entre elles, elles ont été édifiées par des femmes. Elles portent encore aujourd'hui le nom de ces femmes. Et ces écoles forment les ulama d'aujourd'hui et d'hier et de demain certainement encore, puisque le dernier moussem s'est tenu il y a un mois, celui de la Lata'allat, qui est pas loin de Ait Baha, qui reçoit pas moins de 600 000 visiteurs. Et pendant ce moussem, nous avons des qurra, des talabat al-ilm, qurra al-Qur'an, qui descendent des montagnes avoisinantes par groupe de centaines et de milliers de jeunes talabat al-Qur'an pour honorer la mémoire de l'Allah Ta'ala. Alors si ces jeunes hommes le font, c'est des choses qu'il faut raconter, c'est des choses qu'il faut consigner pour la mémoire et pour nos enfants. Pourquoi c'est important? Eh bien, mon approche des questions de société a changé avec mon parcours spirituel, dont la question de la femme aujourd'hui. Nous parlons beaucoup de la question genre. Personnellement, je l'aborde par la voie de la spiritualité. An-nisa shaqa'iqur rijal, c'est clair, c'est évident pour moi, mais ça ne l'est pas pour beaucoup de gens. Minhum, certains ulama qui ont été formés dans les écoles de ces dames, dans les madaris al-atiqa, qui ont été formatés, qui ont été exportés vers d'autres contrées où leur approche de la question de la femme
a été transformée, alors que culturellement, la femme chez nous a toujours eu sa place dans la société, sa place dans la famille, son rôle dans l'éducation. Mais il y a eu un intermède malheureux où il y a eu des troubles fil aqida. Donc il était important, au lieu de répondre aux extrémistes obscurantistes qui veulent cacher la femme, reléguer la femme au second plan, comme fil jahiliya, il l'enterrait symboliquement. Ces nouveaux érudits qui nous viennent d'ailleurs voulaient enterrer la femme, sauf que la femme porte Nour Allah, ou Nour Allah ma kaytkhabash. Donc, je me suis sentie le devoir de raconter ça. Toutes les questions que tu as posées, je pense que je vais y répondre dans le désordre. Et c'est important de dire comment aujourd'hui nous pouvons reconsidérer la question de la femme de manière sereine, ce que j'appelle le féminisme serein. Si vous permettez, je vais vous lire un petit passage. Si Alaoui me l'avait demandé, mais je ne savais pas à quel moment je devais le faire, je le sens comme ça. Dans mon parcours, j'ai rencontré une de ces saintes. Elles sont parfois décédées, mais il y en a beaucoup qui sont vivantes, qui sont actives et qui œuvrent. C'est maqam al-ihsan que j'expliquerai dans la troisième question. Mais il se trouve que celles qui sont décédées, qui les ont précédées, sur les pas desquelles nous marchons, eh bien, personne n'a écrit leur histoire. Et j'ai dû faire un travail de recherche hagiographique auprès des awliya hommes pour découvrir que tous les wali hommes qui sont décrits, dont l'histoire est décrite dans les hagiographies, ont eu une mère sainte, une épouse sainte, une sœur sainte, une fille sainte. Et il a fallu faire ce recoupement avec l'aide de Sidi Idriss Fassi Fihri, que je souhaite citer absolument parce qu'il a préfacé le livre et il a accompagné mon travail sur la région de Fès. Et voilà, donc j'ai eu des sources hagiographiques intéressantes, Salwat al-Anfas de Sidi Jaafar al-Kitani, et l'ouvrage de Sidi Mokhtar Soussi aussi. Donc voilà, pour la partie, je vais dire, de déterrer la mémoire. Mais j'ai rencontré une sainte vivante. Elle me dit, tu sais, ma fille, quand on aime Dieu et qu'on cherche sa grâce, on doit aimer toutes ses créatures, même celles qui nous font du mal ou qui pourraient nous causer du tort. Quand je me lève le matin et que je finis mes prières, je fais le tour du village pour saluer mes voisines, amies ou pas, proches parentes ou pas. Et même si je suis mal reçue ou qu'on ne m'ouvre pas, je reviens le lendemain et le surlendemain jusqu'à ce qu'on m'ouvre la porte et que je réussisse à ouvrir le cœur des gens. C'est ainsi que je complète mes prières chaque matin. Voilà une manifestation de sainteté, de générosité, ce que j'appelle maqam al-ihsan, ce qui va m'amener à vous expliquer de manière, essayer d'expliquer comment j'ai compris ce que c'est qu'un wali ou une waliya. Eh bien, c'est tout simplement des personnes qui ont tellement épuré leur cœur grâce à l'amour qu'ils sont capables de donner, à la générosité,
ils ont tellement été dans la miséricorde, comme cette dame, qu'ils sont devenus un réceptacle de cette pluie de bienfaisance qui nous parvient depuis le début de la création, من عند Allah, non-stop, H24, depuis la nuit des temps, الرحمة نازلة دائما. Est-ce qu'on est capable de recevoir cette théophanie ou pas? Tout dépend de la purification du cœur. هو محل نظر الله إلينا. Donc, c'est un travail qui se fait de manière progressive, à force de faire du bien, à force de vouloir du bien pour l'autre, la yakunu al-mu'minu mu'minan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Eh bien, l'opacité du voile diminue progressivement jusqu'à ce que ça devienne un miroir qui reflète asma Allah, comme Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Jawad, Al-Karim, et j'en passe. Il n'y en a pas que 99 noms, il y en a une infinité, puisque Dieu a consacré à chaque créature, à chacune de ses créations, il a consacré des noms. Chacun de vous porte un nom qui lui est spécifique, au même titre que nos empreintes digitales qui ne ressemblent à aucune autre, ou notre composition génétique, nos chromosomes. Chaque être est singulier. Inna hurmat al-mu'min 'inda Allah a'dam min hurmat al-Ka'ba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est là que Dieu habite. Il n'est pas là-haut dans le ciel, il est là. On a tendance à le chercher ailleurs, sauf qu'il est juste là. Mais pour comprendre ça, il faut le vivre. C'est une expérience gustative. C'est pour ça que j'ai parlé d'expérience intime avant d'en arriver à des concepts universels. Et il se trouve que, oui, l'universalité est là, puisque c'est d'un Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous a fait parvenir cet enseignement, cher Shoyour. Même si chacun de nous a pu intégrer une école ou une autre, une tariqa ou une autre, en fait, tous se retrouvent dans l'enseignement de Sidna Mohammed, qui est une miséricorde pour tous les mondes. Pas uniquement les humains, je dis tous les mondes. Et aujourd'hui, la science est en train de nous dévoiler l'immensité, l'infinité des mondes. On parle de monde au pluriel, on parle de multivers. Alors, pour en venir à un langage plus universel, l'éducation spirituelle nous amène à quoi? Nous amène tout simplement à une élévation de conscience. C'est le langage qu'emploient aujourd'hui tous les spécialistes de développement personnel et autres coachs de coachs spirituels, on va dire, qu'ils soient musulmans ou pas. Toutes les confessions, toutes, je dis bien toutes les confessions, toutes les approches arrivent finalement à cette même notion d'unicité. Et notre quête, c'est justement de revenir à cette unicité, la notion de tawhid. Or, pour en revenir aux sacrées femmes, c'est des choses qu'on doit enseigner à nos enfants. C'est des choses qui s'enseignent déjà dans l'utérus, Ar-Rahim. Étymologiquement, ça vient de Rahman. Et donc, l'enfant, dès qu'il est conçu, il reçoit justement la lumière qu'est capable sa maman de lui transmettre déjà dans son ventre. Ensuite, les premiers enseignements sont donnés à la maison. Qui d'entre nous n'a pas bercé son bébé sur Salah al-Sayyidina Muhammad? Et des choses qui reviennent après dans la mémoire de l'enfant, 10 ans, 15 ans après, « Ah, maman, je me rappelle cette chanson, je sais pas pourquoi. » Ben oui, je la chantais quand tu étais dans mon ventre ou quand tu prenais ton biberon. C'est des choses qui se font de manière naturelle.
On n'a pas besoin d'une école ou d'une chaire ou d'un manbar pour enseigner des choses qui vont de soi. Alors, j'imagine que beaucoup d'entre vous, évidemment, connaissent le soufisme, tassawuf, ilm, tassawuf. C'est une science, tout simplement, qui nous révèle le cœur vivant de l'islam. L'islam est décomposé en trois étapes. D'abord, l'iman, on croit. Ensuite, l'islam, on se soumet. Et ensuite, l'ihsan, on agit. Et le soufisme, c'est justement cette troisième catégorie, maqam al-ihsan, c'est-à-dire an ta'bud Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa huwa yarak, adorer Dieu comme si on le voyait, car même si nous ne le voyons pas, certes, lui nous voit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on est dans un état de vigilance permanente, puisqu'on sait qu'il nous voit à chaque instant. Mais il ne nous voit pas comme un censeur, il ne nous voit pas comme un flagellateur, ou non, il est là parce que rahmatuhu wasi'at kulla shay'. Il est là pour nous protéger, il est là pour nous guider et pour nous mettre sur notre chemin des gens capables de nous orienter sur sirat al-mustaqim, la voie juste, la voie droite. Et nous avons la chance, justement, c'est pour ça que je le cite dans cet ouvrage, nous avons la chance d'avoir au Maroc, ce que je dis dans un chapitre consacré à ça, le Maroc est une terre de lumière. Et je dis bien, tout le Maroc est une terre de lumière. Ou Ahlallah, que j'ai croisé sur mon chemin, m'ont dit que on ne peut pas marcher deux pas sans enjamber la sépulture ou le tombeau d'un wali ou d'une waliya depuis la nuit des temps. C'est ainsi. La tazal ta'ifatun min ummati fi ahli al-maghrib zahirin 'ala al-haqq hatta taqum as-sa'a aw yati Allah bi amri. C'est un décret divin. Il se trouve que la famille al-Bayt, quand ils ont été persécutés au Moyen-Orient, eh ben il se trouve que le Graal, ce que j'appelle le Graal, Moulay Idriss l'Awwal est venu se réfugier au Maroc. Ce n'est pas un hasard. Tartibat Rabbani. Il se trouve que il y a des millénaires et des millénaires et des millénaires que cette terre est sainte. Et bien sûr, il existe autant de saints hommes que de saintes femmes. Et ça, c'est pour l'équilibre divin est ainsi fait. C'était quoi la dernière question? La question, c'est après ce travail et ce livre à succès, Sacré Femme, qui est dans une collection de femmes. La collection s'appelle Keina et elle est dirigée par une femme. Vous voyez que les femmes... On dit la parité, elle n'est pas pour tout de suite, mais elle avance à grands pas. Et la question, c'est, est-ce que tu continues encore à faire un travail de recherche, à voyager, à part d'être dans les bibliothèques et les musées pour la recherche de ces documents, vas-tu aller encore sur le terrain, malgré tes occupations professionnelles, entre l'enseignement à Fès, Rabat et Casablanca? Voilà. Pour la petite histoire, puisqu'on est entre nous, pour la petite histoire, j'ai jamais prévu de faire ça. C'est quelque chose qui m'a été inspiré et je l'avoue en toute humilité. Et chaque jour que le bon Dieu fait, je me demande est-ce que je suis capable de porter ça. Et heureusement que j'ai une famille qui me soutient et ils sont là. C'est assez surprenant, oui,
pour une architecte qui était dans les mondanités et dans les affaires et qui se retrouve à s'éloigner de ces choses, je dirais, matérielles, pour se consacrer à la spiritualité de manière totale. Mais je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Dans la voie de la spiritualité, on distingue deux catégories de cheminants, on va dire. Il y a Salik, c'est les gens qui cherchent l'ilm, qui cherchent à atteindre des degrés d'élévation, de connaissance, de rapprochement de Dieu. Et il y a le Mejdoub, celui qui n'a rien demandé et qui se retrouve Joudiba. Il a hadratillah, et là, il est au service de l'hadra. Et je vous avoue que j'ai mis du temps à le comprendre, puis du temps à l'accepter, et ensuite à l'assimiler pour pouvoir en parler avec vous aujourd'hui. Donc, oui, j'ai laissé tomber les chantiers. Je me suis arrêtée pour voyager, découvrir, comprendre, mieux comprendre l'autre pour mieux servir, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, fi maqam al-ihsan, puisque la bienfaisance, n'est-ce pas, Sidi Abdel Qadir, est la voie royale de la sainteté. Et mieux servir, comment mieux servir, si ce n'est en se rapprochant de l'autre. Donc, le terreau que j'ai trouvé le plus adapté pour ma formation, pour, on va dire, mes compétences et mes prédispositions, c'est l'enseignement. Donc, je suis retournée pendant la période Covid vers l'université pour pouvoir transmettre un savoir-faire, bien sûr, celui d'architecture, mais aussi un savoir-être. Parce que tu enseignes dans des écoles, l'université Euromède de Fès, qui est prestigieuse, l'école d'architecture de Rabat. Donc, il y a un travail qui est toujours de recherche, mais de transmettre à l'autre. Et ça, c'est un message très important. Oui, pas qu'on oublie. Et je peux juste signaler qu'un de mes étudiants est ici, qui m'a fait la grande surprise. Je suis très émue, tu sais. Un de mes étudiants de l'Université internationale de Rabat, qui se trouve ici, qui a fait un très beau travail, et je ne m'attendais pas du tout à le voir là. Merci. Donc voilà. Il faut applaudir, s'il vous plaît. Oui. Nous avons travaillé justement ensemble sur une nouvelle discipline que j'ai introduite à l'université, qui est la scénographie urbaine. La scénographie urbaine nous a amené à réfléchir à des questions de société pour amener les futurs architectes à formuler une pensée et s'impliquer dans une attitude citoyenne et être capable de l'exprimer sur la place publique. C'est le travail que nous avons fait et il s'est distingué là-dedans avec d'autres camarades à lui. Donc oui, j'essaie chaque fois que je le peux semer des graines. Makarim al-akhlaq. C'est très important d'enseigner ça comme on peut, quand on peut, avec l'enseignement technique et les autres formes de savoir. Est-ce que j'ai d'autres projets? Il faut demander à Sidi Rabbi, j'en sais rien. Oui, j'ai plein d'idées en tête, mais je ne sais pas dans quel ordre ça va se faire. L'enseignement sûrement, l'écriture, il y a déjà des choses en cours. Et j'en profite pour dire que j'attends toujours la version arabe des Sacrés Pas. Ça va venir, ça va venir.